Salut à tous, c'est Batlunch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il fait très chaud. Donc la canicule monte pas mal à la tête. Du coup, voilà, je vous ai fait une petite vidéo condensée. Je vous ai expliqué une histoire qui s'est passée avec mon petit frère Batfoot qui est derrière. Salut les gars. Voilà, vous aurez son Instagram aussi qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes comme d'habitude, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Encore une fois, je vous l'affiche à l'écran, ça serait cool. Et voilà, je vous fais une petite vidéo en fait condensée de ce qui s'est passé. Parce qu'on a voulu faire un prank. Donc le prank que vous connaissez très bien, que vous kiffez, voler la roue des inconnus. Je vous affiche la petite miniature des pranks que j'ai fait avec ça. C'était vraiment cool. C'était au début de ma chaîne. Voilà, j'ai voulu réaliser ce prank encore une fois. Sauf que dès la première scène, c'est parti en vrille. Mon frère, je l'ai envoyé au combat. Donc il a fait la scène. Ça s'est énervé. Ils ont appelé la police. En fait, Batfoot, quand tu fais un prank, tu peux pas reprocher au gars de s'énerver. Quoi qu'il arrive, qui te chope, qui te... Moi je sais, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai vraiment pris du recul depuis le moment là où ça m'est arrivé. Il faut vraiment que quoi qu'il arrive, si le gars te frappe, t'insulte, etc., tu lui dis que c'est une caméra cachée et t'essaies de redescendre. Faire le moindre bruit, ça sert à rien, c'est une vidéo, on est là pour s'éclater. Tu lui dis ok, merci, bonne journée, on supprime la vidéo, etc., etc. Je vous mets l'extrait de la vidéo, vous allez voir un peu comment ça s'est passé. Vous voyez cette roue, c'est très simple. Oh, voilà, on va faire voler la roue des inconnus, je pense que je l'ai déjà fait. Il est où le stencil? Voilà, avec ça, on va se mettre à côté de la voiture des gens. On va faire des bruits comme ça. Batfoot, essaye de le faire pour voir si t'arrives. Faut vraiment savoir, faut maîtriser ça parce que sinon c'est un geste plutôt difficile. Voilà, vas-y. Plus fort, plus fort. Voilà, à toi Max. Ouais, tout est dans l'art de faire en fait. Vas-y. En fait, faut que tu vois, il faut qu'il parte du bas et que la force centrifuge redescende vers le bas. Voilà, on fait deux encore une petite fois. Il y a une belle maîtrise. Voilà, tu switches demain. Switch demain pour. Voilà, ok. On est avec là. Voilà, c'est bon. Vas-y, la force centrifuge du haut, du bas, du haut, du bas, plus fort. Max, allez Max. Oh la vache. Max, t'as rien. Yeah, bro, t'as Max, t'as fait quoi? That shit, bro. What you doing, bro? You know what I'm saying, bro? Yeah, bro. We're doing this, bro. Why are we doing this? Help me, bro. Okay. Yeah, bro. My brother. Appelle les sbires. Yeah, but for beer. Where is this beer, bro? Oh my God, look at this, bro. Non, la voiture. Calmez-vous. Mes pouces. La voiture, c'est une lock, la voiture. La caution. Like that shit, bro. Enfin bref, le pneu est là, on va pas s'éterniser 8 ans. C'est parti pour prank. J'espère qu'on va avoir des bonnes réactions, que ça va être cool. Et voilà, salto arrière dans 3, 2, 1. Quoi? Je prends un boulot, j'ai plus de boulot, c'est pour ma voiture. C'est ma roue de secours. Hein? Avec tes caméras cachées là, c'est pas une caméra cachée, je prends juste un boulon. Je prends un boulon. Je te le dis avec une fois. Mais ce qui fait chaud. Après ça part. Ça part en quoi? Ça part dans ta gueule, casse-toi. En quoi? Ça part dans ta gueule, casse-toi. Non mais ta gueule, c'est rien, je prends juste un boulon. Dégage! J'ai besoin d'un boulon, mec. Dégage de là! Qu'est-ce que tu fais, gros? C'est au cas bon, où? C'est bon, c'est une caméra cachée, bon. Comme vous avez pu le voir à l'écran, c'était assez tendu. Le gars dit ouais, j'appelle la police. Nous on est resté sur place, on s'est pas enfui, sachant que j'avais rien à me reprocher. Puis lui, il avait rien fait de mal, il avait pas touché le véhicule du monsieur. Voilà, le but c'est juste de taper sur la roue pour faire délirer. Mais voilà, c'est nous qui faisons chier les gens, faut assumer jusqu'au bout. On connaît bien la police de Nancy à force, vous me direz. Et du coup ils sont arrivés, on a discuté avec eux, on a expliqué que c'était une caméra cachée, etc., qu'on n'avait pas touché le véhicule. Ils ont expliqué au monsieur que voilà, ça se passe comme ça, c'est des caméras cachées, faut pas s'énerver et tout. En fait ils ont un peu dit au monsieur ce que je leur ai dit, avec des vrais mots, avec de la vraie compréhension. De la pédagogie. Merci, merci pour ce mot, merci pour ce mot Batfoot. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que voilà, le monsieur a eu une réaction un peu énervée, mais ça va, on a réussi à gérer le truc. À la fin tout le monde est reparti content. Avec la chaleur il faisait hyper chaud, je crois qu'il faisait 40 degrés au soleil, c'était un truc de fou. J'ai décidé d'arrêter, j'ai dit aujourd'hui on arrête le prank. J'ai pas envie de faire un truc à l'arrache qui rend pas bien. J'ai pas envie qu'on soit énervé, qu'on soit dans le stress, qu'on soit obligé de tourner la vidéo, obligé de la sortir, non. Du coup on s'est arrêté, j'aurais dit écoutez les gars, on ressort le soir tranquillement, tout le monde rentre chez soi. Du coup on a décidé de se faire une petite soirée resto bowling. Et c'est là que j'ai décidé de filmer. En fait j'avais envie de filmer, je me suis dit vous allez nous accompagner dans cette petite soirée pour que vous voyez un peu qu'on n'est pas tout le temps dans les pranks, qu'on décompresse aussi, on est des humains. J'espère que vous allez kiffer la soirée qu'on a passée, sachant qu'il faisait très très chaud, on est sorti le soir. J'espère que vous avez pas trop chaud chez vous, hydratez-vous bien, c'est important. Bah tout, il faut boire, faut s'hydrater. Il faut s'hydrater, c'est important. Et avec de l'eau, c'est mieux. Un autre mot, t'as pas un autre mot pour nous du dictionnaire battre la rousse pour s'hydrater, un truc qui passe bien, dis-nous. Allez, ça arrive. Ça vient de là. Boire. Merci, putain. Merci. Mais heureusement qu'il est là, c'est un truc. C'était beau. En fait, ça venait du cœur, tu vois. On voyait qu'il avait vraiment 980 mots. Est-ce que vous, moi j'ai des frissons. Prenez soin de vous, abonne-toi si c'est pas encore fait, je te le redis, active la cloche et suis-moi sur mon Instagram. Faut le tuer. Là on est à combien Batlunch? Moi je suis à 80 000. Hé hey, sur Instagram je suis validé.
Il y a le logo validé bleu. Donc là, il n'y a aucune excuse pour me trouver. Aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. C'est parti. On va se chausser. J'ai envie de dire qu'on va enlever les Yeezy. Pareil, Batsu, tu vas enlever tes belles chaussures. Lune va enlever ses belles chaussures aussi. Filme les siennes. J'aime bien parce que c'est une édition, tu vois. Attends, je vais les montrer un peu plus haut à la caméra. Regarde. J'aime bien parce que c'est une édition. Tu vois ce que je veux dire? C'est une édition. Voilà, on va se changer, on va mettre des chaussures un peu plus stylées et c'est parti pour le bowling quoi. C'est moi qui commence en premier. Vas-y. Moi, c'est bon, on est d'accord, à moins 4 je crois. Je m'en fais le premier. Ah ouais. Ouais, pas mal. C'est le combat. Pas mal. Ouais, pas mal. Pour un premier échauffement, c'est pas mal. Wow, ouais. C'est bon, arrêtez. Unwin, alors vas-y. Oh, elle a eu elle. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Wow. Transformation. T'inquiète pas gros. Babouin. Ah ouais. Regarde devant toi, te retourne pas. Ne te retourne pas. Épave. Ouais, déjà c'est la piste de droite. Déjà. Allez, Alien, calme-toi. C'est à droite. Mais ouais, on aurait pu. Là. C'est vrai que je trouve que c'est à droite. Ouais, vaut mieux pas parler que c'est comme ça. C'est faut vraiment le faire si vraiment vous sentez chaud. Si vous sentez pas chaud, c'est pas la peine. Faut être en confiance dans un beau jour et voilà. Vous arrivez, vous faites ce genre de choses, tu vois. Faut vraiment être dans un bon jour, tu vois. Faut se dire, tu vois, c'est le. Il est bien là, ouais, voilà, bravo. Là, tu peux savourer ton Red Bull. Tu mets le strike maintenant. Hein. Vas-y, termine ta phrase. Tu mets le strike. 50 balles, tu mets le strike. Vas-y, 50 balles. Ouh. Oula. Il y a aucune. Eh, un pari, c'est un pari. Voilà, ce soir, c'est petite vidéo. Je sors tous mes enfants. Ce soir, c'est une sortie. Et c'est cool. Je suis pas mal parti. Je suis à 23. Je suis égalité avec les caméramans. Voilà, bonne soirée à tous et bon verre. Et puis voilà, le zoom était parfaitement parfait. Tu faisais quoi? @batsunchofficiel, mon Instagram, voilà. Ok, tu veux savoir? Follow-moi sur Instagram, @batsunchofficiel. Merde, follow-moi. En la description, c'est important. Ouais. Oh! Vas-y, fais quelque chose là. Toi, tu vas pas me frapper. T'as 80. Oh, c'est-à-dire si je mets un strike, on va se battre pour la deuxième place. Ouais, c'est bon. Non, on a la bleue. Les petits, les jeunes, hein? La relève, hein? L'héritage. Attends, tu peux descendre si on te frappe. Descends la marche. Voilà. C'est vrai que... On dira rien, hein? Chut. Si je mets un strike, j'ai combien? Mais après, t'as le droit. Donc tu vois, t'as les dividendes. Ok. Donc si. Écoute, tu me rattrapes. Mais par contre, faut un truc, si tu me rattrapes pas aussi. Parce qu'on peut pas donner sans recevoir, tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, c'est pas comme ça. Non, c'est trop facile. Oh. 15. Non. Là, si tu me rattrapes pas, t'as la frontière jusqu'à ce qu'on aille dans la voiture. Vas-y. Bah écoute, faut. Ah, mais attends, si tu le rattrapes, y'a quoi? Si t'as un âge, y'a quoi? 50 balles. 80. Allez, dors. 60. Va dormir. 50 balles une fois, 50 balles deux fois. Si tu me serres pas la main, c'est fini. 50 balles. C'est bon, allez, 50 balles. C'est parti. 50 balles, wow. Je suis confiant. Mais t'as dépassé 88. Il a 88. Ouh, on encaisse. Je crois qu'il était à moins. On encaisse. Voilà, du coup, les 50 balles resservies en chèque Cora. Pour un achat de minimum de 250 €. Voilà. Et t'as fait, sûr, t'aurais pas fait ton loup de Wall Street là, t'as pas. Peu, là. Utilisable que pour les affaires scolaires, parce que sinon c'est pas drôle. Non, voyons. Batsu deuxième, moi je suis troisième. Ok, top 3, c'est propre. Moi j'avais dit que j'étais deuxième. Comme vous pouvez le voir au début de la vidéo. Ouais, mais t'es bien toi, quoi qu'il arrive là. 150 euros. T'es bien quoi. Plus 50. Plus 50. Moins 50.
à la propre. Tu peux monter, hein, tu peux monter les moins, on est plus qu'à moins 50. Hein. Ouais. Caméraman. Bonne soirée. Il est 6h du mat là, comme vous pouvez le voir sur l'iPhone. Hein. Ouais. Et on est fatigué de la soirée. Voilà, c'était un truc de fou. En fait, ce qu'on n'a pas filmé, c'est qu'il y a eu en fait un. Comment dire. D'un coup, il y a eu une foule. Hein, incroyable. Incroyable. J'étais choqué. J'étais perdu pendant 2 heures. On se cherchait dans le bowling tellement il y avait du monde. Combien de temps, franchement? Il y a eu plein de célébrités qui sont venues d'un coup, qu'elles soient joueurs de foot, comment dire. Il y avait Jake Paul, ouais, qui était venu Drake spécialement. Drake Paul, le frère de Jake Paul. Ouais. Grosse soirée pour les 10 millions d'abonnés. Soirée, franchement, on a fêté ça comme il fallait. Enfin, ouais, comme. Toi, t'as pris 50 balles. 50. Plus 50 en bénéfice. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré un peu comment ça se passait avec nous, un peu on a déliré. Mais voilà, je vous prépare des super pranks qui vont arriver. Faut que vous soyez prêts sur la chaîne. Pour ça, je voulais pas vous lâcher. Je me suis dit, je les laisse pas une semaine sans vidéo, ça se fait pas. Je vais plus vous laisser sans vidéo pendant une semaine. En tout cas, voilà, ça va arriver. Je vais peut-être descendre dans le sud aussi. Je vous le dis en vidéo. Là, c'est une exclu. Je dis des exclus comme ça, mais c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est pour les vrais, ça. C'est pour les vrais comme vous. Voilà, je vais peut-être descendre dans le sud. Mettez-moi votre ville dans le sud en commentaire, ça serait cool. Comme ça, je regarde un peu où vous venez d'où. Sur ce, préparez-vous pour les pranks qui vont arriver. Je prépare des trucs de fou pour l'été, des trucs que vous allez kiffer et la rentrée surtout. Oh là là, la rentrée, n'en parlons pas. En tout cas, voilà, merci de me soutenir, merci de me suivre, ça fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à bombarder la barre de like si c'est pas encore fait, abonne-toi aussi si c'est pas encore fait, active la cloche pour être au courant de quand je sors mes vidéos. Je sors pas trop donc tu peux mettre la cloche. Hein. Suis-moi sur mon Instagram encore une fois, @smashfunch officiel. Prenez soin de vous, allez, bonne soirée, c'est Smashfunch, ciao.